Tu veux des crédits pas chers sur FUT 17? Rends-toi sur igival.fr et avec le coupon YOMAX38, obtiens 8% bonus. Yo l'équipe, c'est YOMAX, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, Royal Rumble épisode 3, les gars, on va affronter FATMAP91HD pour cet épisode. Pour le moment, ça se passe moyennement bien. Le premier match, on avait mis un gros score, ça nous avait permis de rajouter Gullit, Smalling, De Rhea et Ronaldo. J'ai pas blagué direct, j'ai rajouté Ronaldo avec mon capitaine Luis Suarez, c'est parfait. Deuxième match contre Amslow, on a perdu, malheureusement, on a perdu 1-0. Et du coup on a pu rajouter uniquement deux joueurs non rares. Donc je vais vous présenter deux joueurs que j'ai rajoutés. Papi Dilobodji, voilà, un bon petit défenseur central gratuit. Enfin gratuit, qu'est-ce que je raconte, non rare de BPL. Et au milieu de terrain, Roque Mesa. Ça va pour un milieu de terrain hors non rare. Pour la petite anecdote, j'ai demandé à FATMAT91HD conseil pour savoir qui je rajoutais dans cette équipe. Pour que voilà, les deux joueurs non rares, je savais pas qui rajouter. Et c'est FATMAT, l'adversaire d'aujourd'hui, qui m'a conseillé ces deux joueurs. Donc merci FAT. Avec ces joueurs là, je vais essayer de te rouler. Donc voilà les gars, on affronte FATMAT91HD comme d'habitude les gars. Si vous voulez follow FATMAT, c'est dans la description, il y a le lien de sa chaîne les gars. C'est un bon gars, ça fait super longtemps que c'est mon poteau sur YouTube. Et voilà, spécialisé Ultimate Team. Si tu veux voir une review sur un joueur que t'as envie d'acheter, va sur sa chaîne, il y en a plein des reviews. Allez c'est parti, le match contre FATMAT. On va voir son équipe, on va voir quel est son capitaine. Oh c'est le Mané 87, son capitaine. Il a pu rajouter 3 joueurs hors rares comme moi et 2 joueurs non rares. Sauf que moi j'avais fait un gros score, j'avais pu rajouter une légende, en plus j'ai choisi Gullit. Et lui, eh ben, il a une très bonne équipe, hein. Le Mané 87, 99 de vitesse, il va faire mal, je sens. Écoutez, son équipe est pas mal. Ouais, franchement, là, bon, après, j'ai le Ronaldo, j'ai le Gullit, j'ai le Suarez. Forcément, à chaque fois, je vais vous dire, mon équipe est au-dessus des adversaires. Sérieusement, là, j'ai du très très sale. J'ai une grosse équipe. On va affronter FAT, on va essayer de gagner ce match, les gars. C'est parti. Allez, c'est parti. O'Connor. O'Connor pour Cristiano Ronaldo. Ok, dommage. Bon, on sent que l'équipe s'est améliorée, que ça y est, des nouveaux joueurs, c'est des joueurs or, ça va s'améliorer. Mais on sent que c'est pas encore tout à fait ça. Les gars, j'ai encore des joueurs dégueulasses, par exemple au milieu de terrain, qui m'handicapent un petit peu, surtout lui là, l'AD qui fait des passes dégueulasses à chaque fois qu'il a le ballon. Voilà, il y a encore des joueurs merdiques et c'est un peu chaud, mais bon, c'est pareil pour l'adversaire, c'est pour ça que voilà, on va pas se plaindre non plus. Il va falloir s'appuyer sur les bons joueurs qu'on a, par exemple le Gullit. Voilà, voilà, bah, il perd le ballon. Même le Gullit, il arrive à perdre le ballon. Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est bon ça. Allez, Ronaldo! Ah, il va pas réussir à prendre de vitesse Smalling. Et je crois même pas que c'était Smalling. Putain de merde, si c'est pas Smalling, c'est un joueur bronze, ça fait chier quoi. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il nous fait là le petit? Allez à droite. Oh oui. Oh oui, Al-Baktaoui. Oh Al-Baktaoui qui va. Oh là là, Al-Baktaoui. Oh c'est magnifique. Magnifique les gars. Allez, on enroule tout de suite. Oh c'est magnifique ce but. Oh là. Ah c'est splendide. Le but est splendide. Y'a rien à dire les gars, la frappe de Gullit. Pop pop pop. On sait pourquoi il est là, on sait pourquoi il est là les gars. J'ai pas fait attention à quel gardien il a, notre petit FATMAT. Mais là son gardien, je peux te dire qu'il en a pris une lourde, hein. Ah le gardien il a pris cher là. Je crois qu'il a butté l'otage, hein. Il a pris cher. Rude Gullit pour le 1-0 pour nous. Allez on continue les gars, c'est nickel. Bang dans l'axe. Voilà, oh magnifique. Suarez dommage. Et là il récupère le ballon Gullit. Dommage le LN Triangle qui est pas passé. Putain. Allez on rejoue sur El-Baktaoui. Pour le moment c'est lui qui a amené le but en vrai de vrai. C'est lui qui a amené le but et je pense que c'est de la chance, hein. Mais il a fait une très belle action avec de très belles passes. Là j'ai voulu lui remettre encore une fois. Aïe aïe aïe. Oh mon dieu. Bel arrêt de Rhea. Mais je me demande comment la passe elle a pu passer tout simplement. Elle est passée au milieu de tout le monde. Et malheureusement là c'est une action de but pour lui. Mais De Rhea, bah il était sur la trajectoire du ballon. Aucune difficulté à arrêter cette frappe, tant mieux pour moi. Et là on n'est pas passé loin de l'égalisation. Et c'est bon. Allez on va se remettre dedans. Une petite contre-attaque avec le Ronaldo. Le Suarez qui va récupérer le ballon. Non, on rend le ballon à l'adversaire. Qui va pouvoir frapper, hein, je te le dis, il va pouvoir frapper. C'est sûr, cette action elle finit par une frappe. Et une égalisation certainement. Non, nickel. Et le ballon il sort pas encore nerveusement en touche. Là on a failli prendre le but, hein. Les gars faut qu'on se réveille un petit peu là. Aïe 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 aïe, il est passé. Mais il me fait la... Mais comment ça, Fab? Qu'est-ce que tu fais? Il m'a fait l'amour sur l'action, les gars. Comment ça? Et oui, il a Eden Hazard à gauche. J'avais pas remarqué. Il y a Eden Hazard à gauche, les gars. Merde. Bien sûr, il est bon. Il est bon. Oh merde, oh putain, ça casse les couilles les gars, parce que il a eu des belles actions et finalement il marque sur quoi? Sur corner, ça casse les couilles. Il a bien tiré son corner, regardez-moi ça. Hop, elle a été déviée. Ça me casse un peu les couilles les gars, parce que mon travail, avoir mis ce but pour rien, ça casse les couilles. Surtout sur corner, mais bon il méritait, hein. Vous avez vu les actions qu'il a eu là juste avant. Faut tout refaire maintenant, il faut tout refaire, mais je suis dégoûté. Quoi, ça passe ça? Oh mon dieu ce but. Oh 2-1 pour FATMAT. Magnifique but encore une fois. Mais vraiment là ça fait plusieurs vidéos, j'ai plus de niveau du tout. Les gars je me suis pris un but là encore une fois. Magnifique, il est en train de me violer. À la mi-temps il peut mettre le troisième. À la mi-temps il va le mettre le troisième. Il a mis le troisième avant la mi-temps. Mais qu'est-ce que Mané qui met un but de la tête. Non mais les gars c'est pas possible. Je vais faire comment pour revenir?
Oh, le Royal Rumble, je crois que ça allait être pour moi cette année. Je suis en train de déconner grave. Et voilà, on va partir pour le quatrième. On va partir pour le quatrième avant la mi-temps. Beau sauvetage. Ça peut me permettre de sauver le match. Hein. On peut mettre deux buts encore. On peut aller égaliser. On peut aller chercher la victoire. Mais là, 4-1 à la mi-temps, ça aurait été chaud. Et il va peut-être y arriver. Hein. Encore un long shot, bien joué. Oh là 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 là, mais je suis en train de me faire rouler dessus. Bref, c'est la mi-temps. Regardez mes stats. J'ai mis une frappe. Magnifique frappe. Hein. Mais voilà, je mérite pas de gagner du tout. Hein. Voilà, il y a 3-1 pour l'adversaire. Tout à fait logique. On va changer de composition. Mais là, sérieusement, c'est chaud. Franchement, je te dis la vérité, là, c'est chaud. Oh oui. Oh oui. Passe. Continue. Pring. Centre. Dommage. Putain, mais c'est quoi ces joueurs? Ils s'appellent Pring, les gars, frère. Même pas Pring, c'était O'Connor, je crois. Mais sérieusement, ils sont dégueulasses, ces joueurs. Allez, mais c'est quoi ces passes, les gars? Abusez. Allez, Suarez. La vitesse. Allez, Suarez. Décalage. Oh, décalage. Oh, dommage. Oh, putain, c'était bien joué. Allez, continuez. Pousse. Voilà. C'est ça qu'on demande. Dommage, les gars. Allez, faut pousser. Y'a moyen d'aller chercher cette égalisation. Allez. Putain, elle passe à côté. Ça casse les couilles. Allez, continue. Même si t'es pas le meilleur, continue. On sait jamais. Continue. Voilà, tu voulais faire le centre à Gullit. C'est pas grave. Il y avait une possibilité encore. Mais putain, qu'est-ce que je fous, frère. Je vais perdre. Deux défaites d'affilée alors que j'avais super bien commencé la série. J'ai plus d'espoir pour la suite de la série. Putain, mais sérieusement, les gars, pourquoi je vais perdre? Allez, Suarez. T'en as une là. Eh, c'est bon, vas-y, il loupe des frappes comme. Non, là, par contre, c'est chaud. La deuxième mi-temps, ça va mieux, mais gros, il rate leur frappe. Gullit et Suarez, c'est bon, abusé, les gars. Quatrième. Ah, c'est bon, on a perdu. Oh, sérieusement, putain. Ah, je suis dégoûté, je te jure, là, je suis vraiment dégoûté pour de vrai. Tu sais, il n'y a pas de. Je joue un jeu, c'est un rôle que je joue. Je fais style, je suis dégoûté pour la vidéo. Je suis vraiment dégoûté, les gars, je suis dégoûté de mon niveau. Ça fait une semaine que j'ai pas joué, je vais pas te mentir, quand je fais ce match, ça fait une semaine que j'ai pas joué. J'arrive à rien. Fat, il va me mettre un gros score, du coup, il va pouvoir rajouter 3 joueurs hors rares plus un joueur, genre comme Gullit, comme un Totti, ce qu'il veut, il va pouvoir rajouter. Sauf si je mets un but encore. Mais j'ai envie de te le laisser, hein, le 3 buts d'écart pour avoir le gros score et avoir la légende, le Totti, celui que tu veux rajouter. J'ai envie de te laisser tout ça, frérot, je mérite pas de les avoir, moi. Allez, regardez, Suarez, il va rater encore son face à face. Ah non, il l'a réussi. Ah, la frappe la plus pourrie, celle qui rentre. C'est ça qui me fout les boules, la frappe la plus pourrie, celle qui rentre. Du coup, pour le moment, Fat, tu auras pas ta légende en plus, ton Totti en plus. Je suis désolé, frérot, j'aurais bien aimé te la laisser, mais c'est quoi, on sait jamais, je vais peut-être mettre un troisième but et égaliser à la dernière minute. Mais faut pas trop rêver, je pense. Il est plus près, lui, de mettre un but que moi, hein, moi je te le dis. Il est plus près, lui, de mettre un but que moi. Regarde, il arrive à conserver le ballon tranquillement autour de ma surface. Là, ça va tranquille. Là, voilà, là, ça dure tranquille pour lui. Tout est bon pour lui. Franchement, que ça dure. Voilà, il va gagner. C'est l'essentiel au moins pour lui. Voilà, allez hop, il va le mettre. Frérot, mets-le. Fat, mets-le. Fat, déconne pas. Fallait le mettre, frérot. Ah, il va le mettre. Oui, Fat. Bien joué, frérot. Ah, je suis content pour toi, frérot. Tu vas pouvoir rajouter une légende. Un Gullit dans ton équipe, ça fera du bien. Je te le garantis, ça fera du bien. Parce que moi, il m'a fait du bien. J'ai mis un but de chance grâce à lui, tu as bien vu. Oh, son Mané, les gars. Quadruplé de Mané. Il a fait un match. Alors, son Mané, je peux dire, son capitaine, il lui fait du bien. Moi, mon Suarez, il a rien fait dans ce match, malheureusement. Écoutez, Gullit, homme du match de mon côté. Hein. De ce côté, bien sûr, c'est Mané. Mané qui a 10 de notes. Les arrêts de Ria, il a fait plus d'arrêts. Hein, de Ria. Et il a un gardien dégueulasse, frérot. Et j'ai pas pu faire mieux. Non, sérieusement, victoire méritée, mais 1000% pour Fatmat. Franchement, GG à lui. N'hésitez pas à aller check sa chaîne. Faire un match FIFA, ça t'arrive de perdre des matchs FIFA. J'en perds beaucoup en ce moment. Oui, certes, j'en perds beaucoup. Eh bon, que voulez-vous? Ça, je joue pas assez au jeu. Et c'est la fin d'année, c'est pour ça. Mais voilà, je fais une série Royal Rumble. Le but c'est d'être le meilleur et là ça fait deux matchs, je suis trop nul. Voilà, donc 3 matchs, 2 défaites, 1 victoire. Il va falloir gagner les 3 prochains si je veux avoir une chance d'être dans le carré final. Je sais pas trop comment ça se passait pour la suite du Royal Rumble, comment ça va être la finale. Mais il faut que j'affronte tous mes adversaires. Je crois qu'il me reste que 2 matchs en plus. Il me reste Axo et Abdoulaye à affronter. C'est bien ça, Axo, Abdoulaye. Et ouais, c'est pas des merguez hein, que je vais affronter. C'est des bons joueurs. Comment je vais faire, moi? En tout cas, il y aura l'épisode 4 rapidement. Je sais que vous kiffez cette série. J'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à balancer un maximum de j'aime sur cette vidéo. Même si je me suis fait latter le cul. Fatmat, tu vas pouvoir rajouter une joueur de fou. Je suis content pour toi, frérot. Va la gagner la compète pour moi, frérot. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. Moi, il faut que je rajoute 2 joueurs non rares. Ne vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. Mais quoi qu'il arrive, je vais perdre les prochains matchs, je le sais. Ciao, les gars.